Les amis, bonjour. Au Conor Olcar, j'espère que vous allez bien. Avec ce confinement, c'est un petit peu le bordel. C'est vrai, il n'y a rien à faire. Mais on va pas se plaindre. Faut pas oublier qu'à l'époque, nos grands-parents étaient appelés à faire la guerre et à rester coincés dans des tranchées de merde. Voilà, nous on est coincés à rester à la maison, à regarder la télé, à jouer un peu à la console, laver les bagnoles, bref. Voilà, il y a pire comme situation. Donc on va garder le moral. Moi, je vais profiter de cette journée, vu qu'il n'y a rien à faire. J'ai bien rempli mon papier, mon attestation, et je vais aller donner mon sang. Voilà, parce que c'est important. On est dans une période, où bon, ben voilà, les hôpitaux ont besoin de sang. Il y a des malades. Donc, si vous faites chier, vous ne savez pas quoi faire, à la rigueur, remplissez le papier, ça ne coûte rien. Prenez votre bagnole et vous allez donner le sang. Ça vous donnera l'occasion de rouler et de faire une bonne action. Pour ceux qui aiment bien rouler les bagnoles. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc faites les deux. Et ne vous plaignez pas. D'accord? Il y a pire. Ouais les amis, faites attention. Prenez soin de vous. Et faites ce petit geste d'aller donner le sang. Ça coûte rien, c'est gratuit. Ça peut sauver des vies. Ciao, ciao la famille. Et voilà les amis, c'est bon. C'est fait. Je vous conseille pour le don du sang de prendre rendez-vous. Parce que en fait, ils font pas rentrer tout le monde dans la même pièce, ce qui est normal. Donc prenez rendez-vous sur le site si vous voulez pas trop attendre. Voilà, essayez d'aller faire ce geste, c'est gratuit, ça sauve des vies. Voilà. Et en plus de ça, pour ceux qui aiment les voitures, ça vous permet de faire tourner vos bagnoles. Donc faites-le. Voilà les amis, prenez soin de vous. Et on se dit à très très vite. Ciao, ciao.